Salutations, on se retrouve à nouveau sur Remnant 2 pour plus ou moins la fin du jeu. Oui, pour la fin du jeu, oui. On est là pour la fin du jeu. Incroyable. J'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous. C'est le moment. Le moment tant attendu, n'est-ce pas? Dans l'épisode précédent, on a galéré face à un boss qui nous a pétri le boule bien comme il faut. Il a fait de mon boule de la pâte. Je me suis fait malaxer, c'était pas très agréable, mais c'était cool. C'était cool malgré tout. Allô? Voilà. C'est ça le dernier boss? L'espèce de grosse marée là? Ce truc là? En tout cas, ça sent la bagarre. Alors c'est comme ça qu'on va la jouer. Stop! Ça marchera pas. Anomalie, éloignez-vous. Bonne chance. J'ai tellement l'impression que tu me souhaites bonne chance en mode tu vas galérer quoi. Si nous arrêtons la racine ici, c'est fini. Pour de bon. La corruption éradiquée. Je peux briser le bouclier. Mais ça me prendra toute mon énergie. Je serai vulnérable. Ok. Si on se lance là-dedans, on n'aura plus le choix. Soit on réussit, soit... Dis-le. Soit c'est la fin du monde. Anomalie, vos chances de réussite sont supérieures à zéro. Supérieures à zéro, en fait, bonne nouvelle. J'essayais de vous rassurer. Ouais. Merci. Très réconfortant. Bah oui, c'est réconfortant. On a des chances de réussite. Allez, à nous de jouer. Il aurait dit inférieur à zéro, c'était inquiétant. Là, ça va. Ok. C'est parti? Oui. Moi, j'ai pas de questions. Moi, je suis pas quelqu'un qui pose des questions. Moi, je suis un homme d'action. Je suis une femme surtout. C'est vrai, je suis une femme d'action. Parfois j'oublie que je suis une dame. Pouvoirs de Jedi sont en panne. Vous devez faire vite. Hé, nomade, batte-leur le cul de ma part. Oui. Ah, j'ai plus. Ah, ça c'est un drame. J'ai plus mes modes. Si j'ai plus mes modes, ça va être une galère sans nom. Je suis très dépendant de mes modes. Bonjour. Est-ce que tu as des ailes? Est-ce que tu es un dragon? Plus un dragon. Très bien. Ouf. Ouf. Ouf.
ça démarre très très mal. Ça démarre excessivement mal. On recommence. Pouf, 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 on n'a rien vu. T'as toujours tes modes, ok. Non mais là, ça compte pas. Là, ça compte pour l'Uber. J'étais pas prêt. Ah, la zone est plus petit s'il vous plaît, la zone de soin. Ah, c'est tout petit hein. Tout petit mais c'est très fort. Ah d'accord. Je pensais pas que ça allait me one shot. Je prends tout. Je prends tout dans ma bouche hein. J'ouvre au grand. Il va me falloir un petit temps d'adaptation, j'ai l'impression. Pour l'instant, je vois aucune ouverture. Je vois rien. On va se concentrer sur l'esquive. C'est la proposition que j'ai à vous faire. Ah, nickel. Voilà. On se concentre sur l'esquive, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. On n'a rien esquivé. Aucun effort n'a été fait. C'est pas sérieux tout ça. Hein. Bien joué. Ok, j'entrevois des choses, pas de panique. Là, j'ai l'air de me faire laver le cul, mais vous inquiétez pas, j'entrevois des failles. J'entrevois des failles dans ce combat. N'oubliez pas que moi j'ai le droit à plusieurs essais, lui il a le droit à... Il a pas le droit à l'erreur. Moi j'ai le droit à l'erreur. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, il va mourir. À un moment donné dans sa vie, il va mourir. Même s'il doit mourir de vieillesse, il va mourir. Heureux. Bah c'est bien. Attends. Trop tôt. Ah, ça a pas esquivé. Je vous jure, j'ai appuyé. Bon, là j'ai pas appuyé. Là, je suis un connard. Salut mon chien. Je t'aime mon chien. Il est où? Je suis pas sûr que tu sois un dragon, mec. J'ai l'impression que t'es plus un papillon qu'un dragon. C'est bizarre. Yeah. Les bobos. Les boules, j'imagine. Rouge, t'es mieux. D'étirer. En gros, je dois courir, c'est ça? Je dois aller... J'ai pas compris. J'ai pas compris.
Genre comme ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était pas une bonne idée. Tire dessus! Ah! Ah, d'accord. Je vais être honnête, hein, ça me serait pas venu à l'idée. Ça se passe mal. Ça se passe très très mal. Bien joué. Bien joué, j'avoue, je prends tout. Mais en vrai, il a pas l'air d'avoir beaucoup de points de vie. Hein. Il est prenable. Il est prenable, je vous jure. Je vous jure, là vous avez l'impression que j'ai aucune chance. Revenez dans une heure, vous verrez, il sera... Je vais y arriver, je vais m'améliorer. Juste, il me faut du temps. Moi je suis un mec très lent, mais au bout d'un moment, vous inquiétez pas, je vais apprendre. Voilà, regardez, là c'est parti pour le perfect. Ah, bien joué. Bien joué, ok, bah, je ferme ma bouche, d'accord. Bien joué. Bien joué. Ouais, bien joué. J'ai... Aucun effort. T'as pas tout vu. Alors le point d'interrogation... Ouais, j'ai tout vu mec. Je pense que j'ai tout vu là. Il fait rien d'autre. S'il y a une phase 2, bon c'est un drame. Genre si le boss il fait une Malenia, bon je suis pas prêt. Très clairement, je suis pas prêt. Désolé, bah t'as fait du bruit, du coup j'ai esquivé dans la panique. Tu vois qu'il plante son épée au sol et... Oui. Mais en fait... Comment dire? Moi j'ai une grande logique. Soit j'esquive tout, soit je prends tout dans ma bouche. Y a pas de juste milieu. Soit j'esquive tout, soit je prends tout. Si je prends une attaque, c'est fini. Là c'est... Je vais me faire au bon combo. Je me connais. Ah merde. Je me fais avoir à chaque fois quand il fait ça. Quand il plante son épée au sol, je me fais avoir à chaque fois. Merci beaucoup. Je me fie au bruit. Il y a eu un bruit en mode sim.
Du coup, j'ai esquivé, mais en fait, il a pas tapé. Mais ça va en vrai, je m'améliore au fur et à mesure. C'est un drame, ça résume bien ce qui se passe. Est-ce que tu vas faire une malignée, mec? Fais pas ça, mec. Vraiment. Si tu fais ça, je connais quelqu'un qui va être déçu et ça va être moi. Faut que j'arrive à bien m'installer là. Fais pas une malignée, franchement. Franchement, mec, fais pas ça. Il va forcément le faire. Je me doute qu'il va. Je vais lui enlever toute sa barre de vie et d'un seul coup il va se dire j'ai une transformation, bonjour. Je récupère tous mes points de vie. Je le sais. Ça va être un drame. Je panique déjà. Bien joué. Bien la musique en vrai. Potin en 4K, mon gars, vous le méritez. Hein. Merci. Bien joué. Yo. Ah, bien joué. Ah, bien joué. Je vais mourir. Pourquoi ça soigne pas? Pourquoi le jeu est injuste? Bien joué. De toute façon, tant que j'arrive pas à esquiver les attaques de base, je mérite pas de le battre. Hein. Bon, je vais débrancher ma manette, parce qu'en vrai, tant qu'elle est branchée, je peux pas jouer comme je veux. Là, ça y est. J'ai ma position. Là, j'ai plus d'excuses. Là, je suis penché sur mon écran, il y a plus d'excuses. Là, ça y est. Là, je suis à 100% de mes capacités, c'est fini. Fini de jouer. On a bien rigolé.
C'est fini. Allez, va bon, voir. Pour que j'ouvre ma gueule aussi. Trop greedy en fait, je me dis que mon arme va me soigner, du coup j'ai pas besoin d'utiliser du soin. Sauf qu'en fait pour ça il faut arrêter de se faire toucher. Arrête de te fier au son. Le son c'est de la merde. Voilà, là il était bien le son. Il était bien timé et tout. J'aurais suivi le son, j'aurais esquivé quoi. Ça va les gars? Ça fait 10 fois que vous me voyez passer, ça vous fait quoi? Rien j'imagine. Un con. À chaque fois sur cette attaque, je me fais avoir. Parce qu'en fait, il la prépare, mais elle est tellement lente. Là je l'ai là. Là je l'ai le boss. Je pense l'avoir en main là. Je commence à l'avoir en main. Plutôt. Je commence. Et comment la batterie de ma manette? Ouais, parfaite. Vicieuse. Wow. Tu peux recharger ton arme. Esquiver ça, j'imagine que oui, je n'ai pas le timing.
Ah, ça fait des dégâts ça aussi. Bah nice. Petite ellipse YouTube. Première ellipse, on va s'entraîner un petit peu, on revient dès qu'on se sent un peu plus fort. Ah. Il est où, il est où, il est où? Vas-y, passe en P2. Passe en P2, histoire qu'on rigole là. Commence bien. On a vu la P2. Mais c'était obligatoire, il avait trop peu de PV pour que ça soit pas ça. Je sais pas si tu es encore là, Dark Gardien. Si oui, qu'est-ce que tu penses de mon amélioration? Ça se passe mieux. Hein. Qu'au début. Allez, il faut retourner en P2 maintenant. J'ai été bête là. J'ai vu les munitions, je voulais à tout prix les prendre quoi. Je te verrai pas en apocalypse. Bah, en vrai, c'est une question de temps. Hein. Ce que je veux dire. Ouais, c'est mal. Je pense que si je passe suffisamment de temps sur le jeu, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas.
Moi je prends tout, j'esquive rien. Après, je vais être honnête avec toi, je pense pas avoir la volonté de faire le truc en apocalypse. Je voulais juste faire la campagne une fois. J'ai réussi à l'esquiver pour une fois. Ok. Du coup c'est esquivable, juste depuis le début j'arrive pas à le faire. Mais non. Mais non. J'ai trop d'erreurs. Mais hey, laisse-moi me relever. Mais non. Comme tu veux, mais le loot est plus intéressant. Oui, je sais, je me doute bien. Ça y est, j'ai plus rien. Nouvelle ellipse, hein, YouTube, là j'ai tout perdu. Du coup, petite ellipse, même en combat, ellipse. Coucou. Je le savais que j'allais mourir. Il me restait un pixel de vie. Pourquoi je prends les debuffs de mort? Données corrompues, c'est-à-dire. Ah, plus de munitions.
On va prendre le temps d'analyser la chose. Ok, j'ai rien compris. J'ai rien compris, du coup on n'est pas plus avancé que d'habitude. YouTube, on est avec Jesse Gaming, bien sûr. Jesse Games, pardon. On a tous nos soins phase 2. Ça va forcément bien se passer. Ok, je suis mort. Ça va forcément bien se passer, Intou. Je suis mort. Ça va pas durer longtemps. Allez, allez. Oh, je me suis fait bait. Cette catin de Babylone. Ah, ça me touche là. J'ai tous mes soins. Je meurs. J'ai encore 5 soins. A tout à l'heure, YouTube. Tu joues à beaucoup d'autres jeux à part Remnant 2? Oui, mais c'est à cause que le problème, c'est que moi, vu que je suis sur Xbox, c'est pas tous les jeux qui sont crossplay avec PlayStation. Hein. Oui, c'est vrai que c'est bizarre un peu les crossplay tout ça. Enfin, bizarre. Ouais. C'est pas évident. Moi, ça va, j'ai les deux. J'ai une Xbox et une PlayStation, du coup, je suis pas trop embêté. Même si je préfère jouer à la PlayStation de mon côté. Oh bon, on a tous nos... On a tous chacun nos goûts. Ça va en vrai, je pensais que ça allait être plus abusé que ça. C'est bien les amis. Moi je vais les voir. Vous nous abandonnez ? Pas bon repos, Jesse. Hein ? Bon repos, mon gars. Et bon entretien surtout. Et je vous dis à demain sur YouTube. À demain sur YouTube. À demain. Ouais, à demain. À demain. Est-ce que tu as testé un peu The First Descendant? Ou ça... Oui, j'ai beaucoup joué. Moi aussi j'ai beaucoup joué. C'est certain. Tu veux, je l'ai le jeu, on peut y jouer ensemble. Oh, j'ai arrêté d'y jouer. Ah, comment ça? En vrai, je reste très rarement beaucoup sur les jeux. Mais ouais, ça prend beaucoup de temps de former tout ça, donc... Oui. Mais j'y ai joué 80 heures, je crois, à The First Descendant. Et je suis arrivé à Pyroman en hard mode. Je suis pas allé, j'ai pas cherché à aller plus loin. J'ai eu une grosse flemme de farm. Le problème c'est que les taux de drop sont trop bas. Oui, j'ai notamment fait une vidéo pour m'en plaindre sur YouTube et je me suis fait un peu attaquer là-dessus. C'est à cause de ça. Ah, j'en ai t'aider, ce moment-là. Non, c'est bon, mon chien est là. Je te remercie. Mais je me suis fait un peu attaquer là-dessus parce qu'en gros, je me plaignais de la boucle de gameplay une fois arrivé en hard mode. C'est à cause de le monde qui se plaignent, ils n'ont pas tout assez à jouer. On va essayer, sinon, c'est des gros, vraiment des gros farmers qui aiment ça perdre leur temps pour avoir assez d'avoir un arbre, ça leur prend genre 15 heures. Parce que si tu fais le jeu en tant que tel, c'est un play qui passe. Ben, si tu payes, ça tourne rapidement. Et pour moi, en fait, comme je jouais au jeu et je faisais des vidéos, bah, j'essayais de faire des vidéos un peu intéressantes, un minimum, quoi. Mais comme je faisais la même chose en boucle pendant plusieurs heures, bah, c'était pas très intéressant. Du coup, c'est pour ça, en partie, que j'ai arrêté d'y jouer. Je me suis fait défoncer. Bah... Non. Not a daze.
Comment ça marche le changement de zone? J'ai pas compris ça non plus. C'est aléatoire? Dans le fond, c'est aléatoire. Bon, ben, à minute, il fait deux attaques, après il change. Dépendant de dans quelle zone. Bon, oh là là, je vais remourir. Pour de vrai en plus. Oh, ton chien, tu y vas. Incroyable. Ça, c'est un chien efficace. Eh bien, merci beaucoup. Dire que... Dire que j'étais là en mode ouais, jamais de la vie, je refuse l'aide. Au final, succomber. Ah, des fois, ça va mieux quand comment ça on est plusieurs. Oui. Mais je m'ai bien carré quand même. Ouais, je fais de l'apocalypse. Ouais. C'est facile pour moi. Effacer tout ce qui existe. Reprendre à zéro. Reprendre à zéro? C'est pas justement ce qu'on voulait empêcher? Oui, mais on n'a plus le choix. La racine va tout détruire. Absolument tout. Pour toujours et à jamais. Nomade, couvre-moi. Ça sert à rien de tirer tout. On fait juste attaquer un peu, genre, pour payer. C'est rebelle, mais pas pour de vrai. J'ai plus le choix en fait. Voilà. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Incroyable. Les trophées ont de l'humour, plus que moi. D'un coup, tu connais bien les mécaniques des boss, ça se fait bien. Il y a des boss que tu n'as sûrement pas vu encore parce que faut que tu fasses le mode aventure ou que tu réinitialises la campagne. Parce qu'il y a plus. Faut que tu fasses, le jeu est fait pour faire plusieurs fois dans le fond. Parce qu'il y a différents. Donc, il y a des donjons qui sont différents. Il y a un monde que j'ai pas trop aimé, c'était un espèce de désert tout blanc. Ouais, tu parles de Nerud là. Nerud est vraiment pas bon comme monde. Peu importe, lui, la version que tu fais, dans les rues, ça va être le monde va tout le temps rester pareil. Bon, ben, les seuls mondes qui sont différents, c'est Yesha, puis là aussi. Alors, j'ai du mal à suivre le scénario, mais je comprends pas pourquoi ils disparaissent, les vieux, là. Ben, dans le fond, ils détruisent le monde pour en créer un nouveau. Ah ouais. Mais là, je pense que mon jeu vient de plus. Enfin, mon jeu, il a plus.
Mais j'ai pas bien suivi le scénario de toute évidence. Mais ouais, c'est ça. En gros, y a pas vraiment d'histoire. Mais... Allô? Allô? Ouais, je t'entends, t'inquiète pas. Ok, c'est bon. Y a pas vraiment d'histoire au jeu. Ouais, c'est ça. Moi j'ai bien, j'ai beaucoup aimé le premier. Remnant, ouais, le premier. Oui, pis t'avais beaucoup plus de choix que tu pouvais faire en plus. Et en vrai, les meilleurs moments que j'ai passé sur le jeu, c'était quand j'avais des gens avec moi en coop. Il y a eu des moments assez sympas. C'est à cause de la 1, il y avait beaucoup plus de contenu comparé au 2. Là. Je sais pas pourquoi que le 2, en tout cas, ils vont sûrement arranger ça parce que là, il y a un nouveau DLC qui sort dans un mois. Ah, ok. En septembre. Ils mettent donc, beaucoup de DLC. Ils terminent le jour DLC. Ça va être le DLC dans. Justement, dans. Dans Nerud, là. Nerud, la map que t'aimes pas, là. Puis il va y avoir un DLC dans cette map, là. Nice, ça fait envie, hein. Bah, ouais, mais elle va être meilleure, la map, là. Elle sera pas. Elle sera pas pareille, là. Il y a beaucoup de monde qui ont chialé comme quoi que la map était pas tellement bonne, là. Bon, ben. T'as combien d'heures de jeu sur le jeu à peu près? Sur le jeu. Allez voir la mission. Quoi que je vais voir ça déjà. Le menu Xbox, des fois il mail tellement. Tu y joues avec le Game Pass? Ouais, j'ai pas besoin de le payer avec le Game Pass. Les autres, je pense que ça marche un peu avec le compte PSN, PlayStation oh. Plus. Ouais, bah j'y joue avec le PlayStation Plus. Ok, oh, c'est pas mal pareil pour tout le monde. Voilà, là j'essaie de trouver là, comment aller retourner voir mes succès parce que là ils ont changé le menu du coup, après tu peux me donner une fourchette hein, d'à peu près de combien de temps t'as passé dessus. Et ça se compte en centaines ou un peu moins? Ah ok, je viens de trouver. Ah ok. Jeu, maintenant. Bon, statistique. Bon, là, si je fais. Me semble que ça marche de même, ça fait. Ouais. 24. J'ai 960 heures. Wouah! 960 heures de jeu, eh ben. Ouais. Ah oh ouais. Bah, du coup, t'as adoré le jeu. Oh oui, oh oui, oh oui, c'est. Mais approche pas loin des 1000 heures. Hein. Oui. Incroyable. Moi je me verrais pas passer 1000 heures sur le jeu. Ben, tu sais, il y a une chose que faut que tu comprennes pour ce jeu-là, c'est que si tu veux, tu veux vraiment tout avoir dans le jeu, ben faut que tu passes au moins 100 heures minimum par map. Ah, par map? Alors que moi j'y suis passé en coup de vent, je crois. Il y a juste la map dans le désert où je suis passé un peu plus longtemps parce que j'étais un peu perdu. Mais sinon, globalement, c'était entre ouais, une et deux heures. Tu parles de Nerud, toi, la map dans le désert, là, tu sais, qu'il y avait de la brume. Là. Ouais, c'est là. Ouais, c'est ça. Elle, c'est à cause que le problème, c'est que. Il y a pas. C'est pas un. Tu suis pas un chemin pour te rendre à telle place, c'est genre. T'explores la map. C'est pour ça que c'est le monde il se perd beaucoup là-dedans. Puis le pire dans tout ça, c'est que quand t'as fini le jeu, tu
sais, le monsieur là qui vend des classes en haut que je t'avais expliqué là, pour ta classe médecin. Là. Ouais. Bon ben lui, quand t'as fini le jeu, il va te vendre une classe qui s'appelle Explorateur. Cette classe-là te permet de trouver certains objets. Mais quand tu vas aller, mettons, soit dans ta campagne ou en mode aventure dans Nerud, il y a un dans le fond, il y a une armure puis une classe qui sont cachées dans la brume. Mais là, toi, faut que tu pognes ta classe. Tu cherches avec ta classe explorateur pour trouver la classe ingénieur qui est dans le brume. Puis là, t'as genre quelques secondes pour le trouver parce que la brume, si tu vas pas assez vite, la brume elle te tue. Ouais, j'ai failli mourir en allant dans la brume une fois. Ouais, c'est ça. Ben, il y a un moment donné, t'as pas le choix d'y aller, là. Tu sais, tu vas chercher la... Tu vas genre chercher la... En vrai, c'est cool s'il y a des trucs cachés comme ça. Ah, il y a plein d'affaires cachées, là. Il y a plein d'armes cachées. T'as des murs invisibles aussi. Il y a des donjons qui ont des murs invisibles. Tu vas être l'autre bord du mur invisible pour aller chercher, mettons, des mods d'armes, des classes, des armures. Il y en a que faut t'aille, mettons, deux maps dans l'histoire. Faut que tu partes une histoire, faut t'aille les deux maps ensemble pour aller faire fondre un objet dans une toile ou le centre psychiatrique pour la tisseuse de nid. Je sais pas si tu l'as battu ce boss là, tisseuse de nid. Je pense que c'est Nerud. Non, c'est pas Nerud, c'est Lossum. Ben, dans Lossum, dans le fond, tu peux pogner deux affaires. Soit que tu pognes le château avec les deux masques. Ah, je suis allé dans le château avec les deux masques, non? Bon, ben c'est ça. T'as sa version-là, pis t'as la version aussi, comme je te dis, il y a deux maps différents. Si tu reroll, tu peux pogner une autre sorte de version. À la place d'être la cathédrale du château, tu peux pogner la ville. Dans la ville, t'as un autre boss dans le fond à battre. Puis ça se trouve va être elle s'appelle la tisseuse de nuit. Dans le fond, un genre de fantôme dans un monde de rêve. Mais c'est intéressant. Mais... Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, je me dis que ouais. Si j'arrive à convaincre mon pote, ça peut être cool. Elle, en plus, si tu veux, si tu trouves toutes les statues dans la maison, ben tu peux faire fondre un objet, puis ça peut te donner un genre d'épée, ça s'appelle Attrape-Rêve. Puis ça, en Attrape-Rêve, dans le fond, tu peux aller dans les rêves de certains mondes, comme, mettons, Nimue. Ben Nimue, tu peux aller dans son rêve, puis aller pogner son arme. Tu peux aussi la chasseresse. Qui se trouve être un genre de demi-dieu, un demi-boss, hein, que tu peux aller pogner dans le fond un arc. Il donne un genre de. Tu téléportes dans un autre monde dans son rêve, puis il donne une autre sorte d'objectif. Là. Bon, ben tu sais, t'as beaucoup d'heures à passer dans le jeu pour t'en recommencer, puis tout ça, pour aller chercher des armes, des armures, puis tout ça. Là. Et j'ai une question. Si je recommence le jeu, je peux reprendre mon même perso pour le refaire avec mon pote, ou faut que je change de perso? Non, t'as pas besoin, tu gardes tout le temps le même personnage, je vais t'expliquer comment faire. Dans le fond, quand tu t'en vas, là, je vais attendre que t'as sûrement fini. T'as pas fini ta vidéo. Là. Mais mec, que t'aies fini ta vidéo, là, tu vas retourner dans le fond, dans le 113. Ouais. Puis je vais te l'expliquer, mais tu saves vis-à-vis, ça va être plus simple. Parce que sinon, je t'en dis trop, tu vas l'oublier. Je vais attendre que t'aies fini ta cinématique. Là. Ok.
Connexion échouée. Ça fait ça, ça fait ça chaque fois que tu bats un boss. Dans le fond, on retourne dans ta game. Ok. Attends, je vais arrêter ma vidéo. Mais merci beaucoup YouTube pour l'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres aventures. Au revoir. Et peut-être sur Remnant 2 avec Akeller. Si Akeller accepte. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube pour lui dire « Joue à Remnant 2 !» Soyez chiant, ça va lui faire plaisir.